le dinosaure qui n'aimait pas le Jurassique? Léomyr est un dinosaure qui n'aime pas le Jurassique. Et pour un dinosaure, ne pas aimer le Jurassique, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car vivre en plein Jurassique, ce n'est pas franchement tranquille. Chaque matin, Léomyr et ses copains jouent au dino rugby. Grâce à ses puissantes pattes arrière, Léomyr court super vite. Évidemment, les jumelles Triceratops, elles, sont méga douées pour le plaquage au sol. Badaboum, badaboum, Léomyr adore se promener dans les sous-bois. Il y fait frais et les couleurs resplendissent. Mais c'est compté sans les puces géantes préhistoriques qui n'attendent que son passage pour lui sauter dessus. Ah! Aïe, aïe, aïe! Tous les samedis, Léomyr cuisine pour sa famille. Au menu, ce midi, salade de feuilles de figuier et de fougères saupoudrées de prêles de champ. Léomyr en salive d'avance. Mais... Baoum! Nom d'un fémur de brachiosaure. Voilà le repas parti en fumée. Quand il était petit, Léomyr a découvert qu'il pouvait utiliser la nature pour recréer ce qu'il voyait. C'est ainsi qu'il a composé les premières œuvres d'art de l'histoire du vivant. Depuis, c'est son activité favorite. Le problème, c'est que ces modèles tiennent rarement en place. Et pour cause. Waouh! Ah! Léomyr a bien essayé d'aller vivre loin des dinosaures, mais la traversée s'est révélée compliquée. Alors il a tenté la voie désert. Là encore, il a préféré abandonner son idée. Croire, croire, croire. Une nuit, Léomyr admire tranquillement la beauté de la voûte céleste, quand soudain, la lune et les étoiles disparaissent. Ah non, râle-t-il, je ne vois plus rien. Burk, ça, c'est le pompon. Furieux, Léomyr part se laver. Ras la crête du Jurassique et de ses dangers. Au même instant, quelque chose se met à scintiller sur la rive opposée. Puis, deux créatures minuscules apparaissent. Léomyr n'en a jamais vu de telles. Elles ne ressemblent à aucun des êtres vivants qui l'entourent. Léomyr les observe. Les créatures n'ont ni griffes, ni crocs proéminents. Elles n'ont pas non plus d'immenses queues ou de mâchoires démesurées. Assurément, elles sont herbivores, en conclut-il. Soulagé, Léomyr traverse la rivière. Mais à peine les créatures le découvrent-elles qu'elles poussent un hurlement de frayeur et déguerpissent à toute vitesse. Revenez, leur crie-t-il déçu. Tout à sa tristesse, Léomyr aperçoit un caillou qui brille au sol. Par les cornes d'un tricératops, s'ébahit-il, une pierre de soleil. Quand il était plus jeune, sa grand-mère lui racontait des tas d'histoires sur ces pierres très rares, qui permettent de voyager dans le temps. Mais la voilà la solution. Léomyr doit utiliser cette pierre afin de quitter le Jurassique et ses problèmes seront réglés. C'est bien beau tout ça, mais comment fonctionne ce truc? Léomyr rouvre les yeux au milieu d'une caverne, dont les murs sont décorés de magnifiques dessins. Waouh! S'émerveille-t-il. C'est le plus bel endroit du monde. Au même instant, Léomyr entend un bruit derrière lui. Bouse de crotales préhistoriques. Ces créatures sont encore plus dangereuses que les T-Rex. Léomyr atterrit face à une étrange montagne dentelée, au-dessus de laquelle flottent des nuages orangés. Tout à coup, de nouvelles créatures en sortent. Un dragon! S'écrie-t-elle. Léomyr ignore ce qu'est un dragon. Néanmoins, il n'a pas envie de rester pour le savoir.
Décidément, ces petits êtres sont bien agressifs. Encore secoué par son voyage dans le temps, Léomir se retrouve nez à nez avec un animal sans poil et très bruyant. Tut tut. Ce monde est bien étrange, remarque-t-il. Il y a des couleurs partout. La nourriture y est incroyablement jolie. Miam miam miam. Les T-Rex ont rétréci. Et oh, des peintres. Désormais, Léomir est un dinosaure heureux. Il a trouvé une époque sans danger où il peut laisser s'exprimer ses talents d'artiste. Enfin, presque.